En juillet, plusieurs événements importants se sont produits dans la construction du bureau technologique d'études et d'ingénierie Sauvelmash. Le 22 juillet, la pose de l'asphalte a commencé, notamment à côté du quai de chargement-déchargement du BTI. À l'entrée principale du bâtiment, des préparatifs ont été effectués pour la pose ultérieure de l'asphalte. Des puits ont été installés, la terre a été nivelée, le géotextile a été posé et le remblayage avec du sable a été effectué. Un autre événement en attendu. Le réseau de chauffage a été raccordé à la ligne de chauffage centrale en dehors du terrain de Sauvelmash. Avant cela, les ouvriers ont effectué tout le cycle de travail nécessaire. Les tuyaux ont été posés, soudés et imperméabilisés, et un système de contrôle des fuites a été connecté. Il a également fallu effectuer des travaux non prévus afin de contourner des réseaux de communication de la société voisine qui ont été posés différemment que les indications sur les plans. L'installation de la mise à la terre est terminée. Toutes les conduites ont été raccordées et une chambre de capteur a été réalisé pour connecter l'approvisionnement en eau froide. Les ouvriers ont commencé à connecter l'eau froide pour assurer le fonctionnement du système de sécurité incendie. Une plateforme a été montée pour l'installation de l'équipement de climatisation et de ventilation, ce qui permettra de réduire l'intensité des vibrations de l'ensemble du bâtiment. Une tranchée a été creusée pour pouvoir poser les câbles pour l'éclairage extérieur. Les blocs de clôture temporaire ont été démantelés et sont progressivement retirés du site. L'installation des dalles du chemin temporaire a été achevée. Dans le bâtiment, les travaux de viabilisation ont été également en cours. Les employés de Sauvelmash ont monté des équipements thermiques dans le secteur de chauffage individuel. Ils ont également effectué sa soudure et sa fixation. Les réseaux de chauffage ont été installés dans le bâtiment administratif et technique et le câblage des réseaux électriques a été effectué. Une nouvelle étape des travaux à l'intérieur du bâtiment a commencé. Les ouvriers ont collé la chape d'égalisation du rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique. Cependant, ces travaux se poursuivent aussi dans le bâtiment de production. Auparavant, un revêtement spécial avait été posé dans cette zone. Des réseaux de chauffage avaient été installés et le câblage de l'électricité avait été effectué au sol. Après avoir collé le béton, il sera possible de poser du carrelage et d'installer des cloisons antérieures en verre. En plus de la construction du BTOI, la société Sauvelmash était engagée dans le développement et la fabrication des machines-outils et d'outillages, mais aussi dans les travaux sur une meuleuse d'angle. Afin d'accélérer la construction et d'effectuer les principaux travaux de construction avant la saison froide, Sola Group a lancé une promotion intitulée Merci. Cette promotion comprend les offres personnelles pour chaque investisseur du projet. Les parts d'investissement bonus sont accumulées lors du paiement anticipé du pack, de l'upgrade du pack actuel au payé en intégralité, ainsi que lors de l'achat d'un nouveau pack. Il y a également des conditions spéciales pour les nouveaux investisseurs. 20 à 5 dollars en cadeau pour faire votre premier investissement, mais aussi des conditions plus avantageuses pour l'achat de parts. Les détails de la promotion sont visibles sur le lien dans la description de cette vidéo. Les cadres supérieurs de Sola Group, en la personne de Sergei Simenov, directeur général de la société, et Pavel Filipov, directeur marketing et des relations publiques, ont effectué un voyage d'affaires en Chine. Ils étaient accompagnés par Andrei Lobov, directeur de la société de production ressources Aftarsync, homme d'affaires indien et partenaire du projet, et Victor Aristov, directeur de la société ASPP Weihai Technology et partenaire de Sauvelmash. Le premier jour de la visite, la délégation s'est rendue dans une usine qui fabrique des moteurs électriques et des outils à main électrique pour des marques de renommée mondiale. C'est là que les boîtiers pour meuleuses d'angle Sauvelmash seront produits. Des échantillons de pièces ont été fabriqués et transférés à Moscou par la délégation Sola Group. Les invités ont pu visiter le siège social de l'entreprise, la salle d'exposition des produits et les zones de production. Ils ont surtout été impressionnés par l'ampleur de cette usine. L'usine s'intéresse aux produits utilisant la technologie Slavanka car les moteurs à bobinage combinés lui permettront, avec une augmentation relativement faible des coûts de production, d'augmenter considérablement la compétitivité des produits et d'obtenir beaucoup plus de bénéfices issus de la vente. Le deuxième jour de ce voyage, notre délégation a visité l'usine automobile Bao. Il s'agit de l'une des plus grandes entreprises de l'industrie automobile chinoise. Il y a quelques années, cette usine a lancé la production de véhicules électriques. À présent, l'entreprise s'intéresse à l'application de la technologie Slavanka pour ses camionnettes électriques. Nous vous parlerons sous peu du troisième jour du voyage de la délégation Sola Group en Chine. Le 4 juillet, l'équipe du tricycle Bajaj Maxima avec un moteur de type 7K est arrivée au palais de glace d'Almaty Arena et a terminé sa participation à la course de véhicules solaires au Kazakhstan, étant classée 4e. Ce voyage a duré 24 jours, pendant lesquels le tricycle a parcouru environ 3000 km à travers le désert et les contreforts. L'équipe a dû surmonter de nombreux obstacles pendant la course, mais le moteur a parfaitement fonctionné. Il a travaillé de manière fiable et sans surprise en faisant avancer un lourd tricycle uniquement à l'aide de l'énergie solaire.
Le 1er juillet, une nouvelle représentation nationale sur la groupe a été nommée en Afrique. Le Mali a rejoint le projet. Le partenaire national dans ce pays est Gilles Weber, qui représente la société dans 8 autres pays francophones également. Des présentations en présentiel et d'autres tâches seront régulièrement organisées au Mali, ce qui aidera à accroître le nombre de participants et d'investisseurs et à accélérer le développement du projet dans ce pays. La représentation nationale au Mali est devenue la 28e représentation au monde. Le 8 juillet, Sola Group a ouvert un bureau physique à Gagnoa, en Côte d'Ivoire. Environ 50 personnes, ainsi que l'équipe de tournage de la chaîne de télévision Business 24, ont participé à l'inauguration. Une telle activité prouve un grand intérêt pour le projet et l'importance d'ouvrir un nouveau bureau dans ce pays. Le représentant national Gilles Weber, le vice-partenaire national Pacom Mea et les principaux partenaires en Côte d'Ivoire ont pris la parole devant les invités. L'équipe des partenaires Sola Group de la ville de Gagnoa organisera régulièrement des présentations du projet et des réunions pour les partenaires dans ce nouveau bureau. Cette approche a déjà fait ses preuves à Abidjan et dans d'autres villes du monde.